Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 11 juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin. Aujourd'hui, on joint le bon côté des choses. S'appliquer à voir envers et contre tout et tous. Le bon côté des choses. Eh bien, c'est là l'une des clés de la sagesse. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la perle. La perle, c'est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Au lieu de dire, oh oui, mais moi je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Voyez ce que je veux dire. Ayez de la reconnaissance pour ce que vous avez. Vous avez un toit, vous avez une maison, vous avez de la nourriture. Ayez de la reconnaissance pour tout ça. Au lieu de s'apitoyer sur son sort et dire « Oh oui, mais moi je n'ai pas ci, j'ai pas ça. » La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques, et vous remarquerez alors, eh bien, que le négatif tourne en positif, comme le grain de sable qui devient, eh bien, une perle. Certains d'entre vous, par habitude, insatisfaction chronique peut-être, ignorance, eh bien, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Et cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci, n'est-ce pas? Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. Et c'est ainsi, eh bien, que les choses vous échappent. Eh oui. Alors pour changer aujourd'hui, vous devez faire des modifications. Vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Remercier pour la belle journée que vous allez passer à l'avance et vous allez passer une belle journée. Positivisme, c'est important au lieu d'être dans le négatif. Alors aujourd'hui, je vais vous demander pendant 3 jours d'essayer d'attacher votre regard à voir tout ce que vous avez de bon. Pourquoi pas faire une liste de ce que vous avez, ce que vous accomplissez avec sérieux et reconnaissez ce que les autres font d'appréciable et ne pas être dans la critique, dans l'envie, dans la jalousie. Voilà. Faites ça. Et pour développer votre intuition, eh bien, croyez que vous disposez d'une intuition fiable et émettez l'intention de la voir se manifester. Énoncez clairement votre question. Ouvrez un livre au hasard et posez un doigt sur une phrase. Lisez-la et faites les liens avec votre demande. Voilà, c'est un bel exercice, hein? Je termine avec énergie de guérison et aujourd'hui j'ai pigé sagesse. Sagesse.
Alors, notre Créateur, il a un plan. Dieu a un plan pour vous. Il a un plan pour... allez, je vais parler pour moi. Il a un plan pour moi. Je vis ici et maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences. Un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce, eh bien, à tous mes efforts. Voilà le message de la sagesse aujourd'hui, l'énergie de guérison. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.